Bon bah salut F-Class du Claudie. Alors j'ai reçu un petit courrier de Clément Fraise. Alors on va ouvrir tout ça ensemble. Excusez-moi, je vous regarde même pas dans les yeux. On va ouvrir tout ça ensemble. Hein. Voilà. Alors attendez, on va regarder. Alors là, allons voir. Ah, on va ouvrir comme ça. On va éviter de tout défoncer. C'est Annabelle là qui est là. Hop. Elle est là, elle comprend pas trop. Moi j'ai reçu ça là, je viens de rentrer de chez ma femme. Je regarde dans mes courriers et je fais mais ce n'est pas les impôts, c'est pas l'URSSAF. Alors du coup je me suis dit c'est quoi. Et là je vois Clément Fraise. Et là je fais ouh. Alors ça vient d'une école de sorciers. Alors attendez, je vous montre un petit peu. Bon on s'en fout de l'adresse de toute façon. Hop, c'est pas très important. Ah, si vous voulez m'envoyer des cadeaux, des spécialités régionales, etc., pas de problème. Ceux qui veulent me doc, c'est pas un souci. Comme ça, si jamais vous avez des trucs, voilà, que vous voulez me faire goûter, vous avez des spécialités, vous êtes fabricant de je sais pas quoi, bah, avec grand plaisir, j'accepte tout. Et là, le contenu de la lettre. Yeah! Bah, je pense qu'on va aller voir Clément Fraise au théâtre, hein, je pense. Je sais qu'il passe en septembre à Lyon. Voilà, Clément Fraise, dédicacé pour Yeux Clos. Amitié, Clément Fraise, et oh, j'ai une petite lettre. Attends, bouge pas la caméra là. Oui, j'ai un stabilisateur pour pas que ça parte trop en couille là. Voilà. Là, donc, Clément Fraise, une belle photo, hein, c'est vraiment, voilà, c'est papier glacé pour magazine Givré. Et l'école des mentalistes. Pensez à un objet, là, tout de suite. Un objet de bricolage. Tout de suite. Une couleur. Marteau rouge. Vas-y, un chiffre entre 1 et 10. 1 et 10. Non, c'est pas 7. Tu pensais 7? Non, tu pensais 8. Ou sinon, tu pensais 6. Attends, laisse-moi bien vérifier. C'était l'un des 3, c'est sûr et certain. Bon, allez. Chers yeux clos. Au bagne, le 10 août 2022. Chers yeux clos. Comme demandé, je te prie de bien vouloir recevoir cette lettre, accompagnant une photo de ton serviteur. En gage de mes très nombreux remerciements pour tout le soutien que je reçois quotidiennement de la part de tout le groupuscule malveillant. Hey les woke, fuck you. Hey les autres, fuck you. Les antisettes, fuck you. And I love you, Clément. Ok. Merci encore pour tes invitations à prendre la parole sur ton antenne. Merci beaucoup Clément. C'est vraiment une lettre, ah putain ça fait plaisir, c'est une vraie lettre, voilà. Laissant libre et ouvert un micro à tous et à toutes. Et effectivement je ne lâcherai pas l'affaire, que ce soit de Cro-Blanc à Dany, etc. Je continuerai à les inviter. Alors j'ai même dit d'ailleurs que je n'inviterai pas les gens en fait si jamais on me prouve qu'ils sont réellement dangereux, condamnables, illégaux. Voilà, s'ils sont fondamentalement illégaux, non, mais sinon, bah, oui, on invite les gens. Et merci Clément. En espérant te croiser à l'issue d'un spectacle ou d'un autre événement, je te prie d'accepter une nouvelle fois tous mes plus sincères remerciements. Je te souhaite une belle fin d'été. À très vite. Merci pour tout. Mais c'est vraiment... Donc, bah, ça fait plaisir. Clément, je tiens à te... Beau papier en tout cas. Vous voyez, il y a même un petit filigrane. Enfin, filigrane. Vous voyez la petite teinte là qui fait... Quand même, voilà, et in manus tuas commendo spiritum meum. Donc voilà, merci Clément Fraise de ce joli petit cadeau. Du coup, j'ai enfin ma petite lettre de l'école des mentalistes de l'autre côté de la gare. Hein. Vous passez à la gare et tout, vous passez dans le mur, vous tapez assez fort à la tête, et en principe, si t'es pas mort, tu deviens mentaliste. Donc, bah, merci Clément Fraise. Ce soir, rendez-vous avec Pantoufle. Pantoufle qui doit se battre normalement contre Cro-Blanc, mais qui a refusé. Vais-je prendre sa place? Non, bien sûr que non, je n'ai pas défié Cro-Blanc. Mais par contre, je vais interviewer Pantoufle. Donc ce soir, on va parler de politique, on va parler de jeux vidéo, on va parler de streaming, de la plateforme Twitch. Et demain, on reçoit la Sainte. Donc on va parler de manga, psychologie, travail social, Twitch, argent, sexisme, etc. Bref, on va parler de plein de choses entre gauche et droite, comme d'habitude. On se retrouve ce soir à partir. Alors, ce soir, petit truc. Parce que ce week-end, vous avez vu, il n'y avait pas de rediff, donc je fais une petite prolongation sur la fin de vidéo. Déjà, abonnez-vous si vous en êtes là et mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner, vous êtes quasiment 120 000 à passer dans le mois et vous êtes à peu près 40 000 habitués à venir. Donc n'oubliez pas quand même de vous abonner, de mettre un petit pouce. Et surtout, ce soir, je serai peut-être en retard. Je vous explique pourquoi. J'ai un rendez-vous encore une fois pour la maison à 16h30. Donc le temps de faire ça, ça peut durer 2 heures. Donc moi, dans l'optique, je voulais commencer à 19h comme bien souvent. Donc 18h30, allez, on dit 19h au plus tard. Sauf que ça peut être 19h30. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai préparé tout le setup
Et je vais essayer moi d'être là vraiment à 19h au plus tard. J'espère lancer l'émission comme d'habitude à 18h, 18h30 au plus tard, avec la musique, et dans ce cas 19h on commence. Et vraiment, si jamais voilà, c'est chiant que ça couaque et tout avec les artisans là, et ben dans ce cas là, au pire j'aurai une petite demi-heure de retard et on arrivera aux alentours de 19h30, 20h. Mais j'espère vraiment arriver à voir. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à ce soir, allez voir tous les autres contenus en attendant, ce soir on accueille Pantoufle de Twitch, et on discutera drama, on discutera politique, on parlera de lui, c'est une interview confuse, demain La Sainte, mercredi, jeudi, drama, comme ça on en remet une petite couche, je vous fais des gros bisous, et à tous les yeux Clodo, toutes les yeux Claudette, je vous aime, vraiment.